Le toit de l'Europe, c'est ce que visent les champions du monde allemand. La Mannschaft de Joachim Löw rêve d'imiter la France de 2000 et l'Espagne de 2012 en réalisant le doublé Coupe du Monde, Championnat d'Europe. Rien de moins simple pour l'Allemagne, retombée au 5e rang du classement FIFA après des éliminatoires en demi-teinte. L'Allemagne, qui ne sait toujours pas si elle pourra compter lors de l'Euro français, sur sa vedette et capitaine, Bastian Schweinsteiger. Blessé et écarté des terrains depuis plusieurs semaines, Schweini essaie tant bien que mal de rester utile à son équipe. Dieu merci, j'ai une très bonne équipe qui a beaucoup joué, qui a de l'expérience. Et c'est pourquoi ça va être plus simple. Je n'ai rien fait de particulier, mais j'essaye de transmettre mon expérience, particulièrement aux joueurs les plus jeunes. Le sélectionneur Joachim Löw reste, lui, persuadé que son capitaine sera rétabli à temps pour le début de l'Euro. En ce qui le concerne, je suis assez optimiste pour les semaines à venir. Il aura besoin d'un entraînement particulier, il va falloir lui trouver un rythme, mais qu'on ne pourra juger qu'une fois la compétition commencée. Au Brésil, on avait besoin de nos individualités, mais cette fois-ci, il faudra gagner en équipe. Avec 14 champions du monde dans ses rangs, la Mannschaft regorge de joueurs d'expérience, comme le gardien de but Manuel Neuer ou l'attaquant du Bayern Thomas Müller. Elle peut aussi compter sur le retour en grâce de ses cadres. Jérôme Boateng et Mesut Özil avaient disparu des radars après le Mondial. Ils retrouvent leur meilleur niveau à la veille de l'Euro. Mario Götze, le héros de Rio, était remplaçant au Bayern. Il semble revivre en sélection nationale. C'était un bon moment pour moi, après ma pause assez longue pour blessure. Marquer un but pour voir jouer un match avec l'équipe nationale à Munich, c'était que du positif pour moi. Ce serait également positif pour l'Allemagne si Super Mario rééditait cet exploit face à la Pologne, leur principal adversaire, lors des matchs de poule de l'Euro. Une première étape pour rester au sommet du football européen.